bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon nouvel atelier, le voyage du super-héros. C'est un atelier qui a été spécialement conçu pour les enfants et les adolescents qui traversent un moment difficile, que ce soit lié à la situation actuelle, la situation récente du Covid, ce que l'on peut voir dans les médias par rapport à la guerre, ou bien tout simplement par rapport à des difficultés scolaires ou des situations un peu compliquées à la maison. Donc, que ce soit perte de motivation, manque d'énergie, anxiété, difficulté à s'endormir, difficulté par rapport au sommeil ou des réveils, difficulté à gérer, on va dire, les téléphones, réseaux sociaux, jeux vidéo. Et d'une manière plus profonde, qui a à voir avec la maîtrise des émotions. Donc, cet atelier, le voyage du super-héros, qui est inspiré du protocole PNL, en programmation neurolinguistique, le voyage du héros, un protocole développé par Robert Dilts et Stephen Gilbert, sont basés sur le livre, sur l'œuvre de Joseph Campbell, qui est le voyage du héros, donc qui va nous amener dans un voyage et un parcours, on va dire, initiatique, un parcours d'apprentissage où on va retrouver, on va dépasser certaines situations, on va retrouver au fur et à mesure des forces, des ressources et des connaissances. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui va vous diriger vers la page qui parle de l'atelier Le Voyage du Super-Héros, spécialement conçu pour des enfants entre 6 et 16 ans ou 8 ans et 16 ans, selon l'enfant aussi, la personnalité de l'enfant. Ce sont des petits groupes, maximum de 10 participants. Et puis, évidemment, ils sont en général répartis par tranche d'âge. Ne pas mélanger des enfants de 8 ans avec des ados de 16 ans, bien entendu. Donc, je vous invite à regarder et à me contacter si vous avez des questions ou pour inscrire vos enfants ou vos ados à des ateliers, à l'une des dates proposées pour ce merveilleux atelier. Je me réjouis de vous voir bientôt ou de faire votre connaissance et je vous souhaite une très belle journée.